tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan de mon challenge Bit.ly de... Bit.ly de... Alors, est-ce que je l'ai réussi? Ou pas? C'est plus le ou pas. Hein, voilà. Je me suis bien foirée. Donc, pour ce challenge, je m'étais mis le cap de 6 livres. Et je n'en ai lu que 4. Ouais. Je suis tellement déçue. Mais bon, voilà. J'ai fait un mauvais choix de livre. Alors, tout d'abord, j'ai commencé par... je l'ai déjà rangé. Les ombres de la nuit. Là, je les ai pas ressortis, de toute façon. C'était... C'était pas le baiser du roi Fraud. C'est le bazar, j'ai tellement de livres partout. Bien sûr, en vendre, je peux pas. Non, c'est pas ça. C'était le baiser du roi Drac. Donc, j'ai réussi à lire celui-ci. Que j'ai lu très rapidement et tout, j'étais toute contente, ouais, j'étais sur ma lancée, j'étais tellement chaud patate, j'étais ravie. J'ai bien aimé ce tome-ci. Je vous en ai parlé lors d'un objet de lecture, donc je vais pas revenir là-dessus, mais voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup. Soit il y a des problématiques, oui et non, parce que bon, bah, faut se mettre. C'est pas du tout réel, c'est des. Ça se passe il y a des années où. Enfin, c'est pas plausible de toute manière, hein, vu qu'il y a des Valkyries, il y a des démons, il y a des vampires, il y a des machins, il y a du viol, il y a des scènes de cul, il y a des choses pas très très bien au niveau de la condition de la femme ou autre, mais. Celui-ci l'a totalement fait avec moi. Je l'ai lu relativement rapidement. Et après, j'ai enchaîné sur Felicity Hadcock, le tome 2. Et j'aurais pas dû choisir cette lecture. Je voulais pas aller dans cette lecture. J'ai eu très, 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 très peu envie de me mettre dans ma lecture. Voilà. Donc, j'y allais que rarement. Donc, le livre a duré. J'ai pas forcément aimé l'histoire. Voilà, je suis mitigée avec Felicity. Premier tome, c'était bof. Deuxième tome, bah, c'est bof. Je m'attache pas à cette meuf à qui il arrive tout et n'importe quoi. Ah, j'ai du mal avec Felicity, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais qu'il y en a qui adorent cette saga, mais moi je. Moi j'ai du mal. Mais bon, bah, j'ai tous les tomes de dispo dans ma palle, donc il faudrait que je les lise. Mais enfin voilà. Autant les étoiles de Nosehead, ça l'avait fait carrément. Mais voilà, Felicity, j'ai vraiment du mal à me plonger dans l'histoire. Et il lui arrive tout, ouais, tout et n'importe quoi. Puis en deux secondes, hop, c'est réglé. Il y a un type qui arrive et bon, bon. Donc j'ai un peu de mal. Même si on en apprend un peu plus sur ce qu'elle est vraiment, d'où voilà, ses origines, tout ça. Mais j'ai pas trouvé. Donc oui, ça m'a cassé cette lecture. Et après, je me suis dit, bon, bah, essaye de partir sur quelque chose où t'es sûr de kiffer, quoi. Donc je suis partie sur le tome 7 de Psy Changeling. Et finalement, bah, ça s'est avéré que ça a été à peu près aussi compliqué que Felicity Hadcock, quoi. Il a duré quand même, voilà, il a beaucoup trop duré ce tome. Je me suis pas attachée au personnage. Là, c'est une romance entre deux psys. Donc, j'ai eu du mal avec le personnage masculin au départ parce que je comprenais pas trop ce qu'il était, ce qu'il faisait là. Mais bon. Donc, ouais, je pense que je me suis vraiment trompée de bouquin. J'aurais avancé des sagas,
mais j'aurais mis le temps. Donc j'ai fini par le lire, voilà, il est lu, mais enfin voilà, je l'ai pas trouvé. Pour moi, c'est le moins bon de la saga pour l'instant. J'ai pas forcément kiffé. Voilà. Je préfère quand il y a des échangés. Même si on retrouve Lucas, Sacha, on retrouve des personnages des tomes précédents, mais là l'histoire elle m'a pas. Non. Mais bon, je vous en parlerai lors du prochain update lecture. Enfin, je crois que j'en ai en retard, hein, mais je vous en parlerai bientôt. Donc après, je me suis dit, bon, bah, tu vas prendre le plus petit de du challenge. Donc j'ai lu Chasseur de vampires de Pete Johnson. Ça a été relativement rapide à lire, voilà. Mais c'est une saga normalement qui fait 3 ou 4 tomes. C'est pas très clair en fait. Donc c'est aux éditions Ada. Le premier, je l'avais aimé sans plus. C'est un petit jeunesse, ouais, c'est un petit garçon qui va découvrir qu'il est demi-vampire. Et bah, à chaque fois, il va se passer des choses dans là où il vit. Et il va devoir partir à l'aventure pour essayer de. Pas vraiment de combattre les vampires, enfin de protéger sa meilleure amie qui elle est fan des vampires et veut en voir à tout prix et tout, et lui il essaye de s'interposer en l'aidant tout en lui cachant des choses, quoi. Enfin bon, bref, j'ai lu ce tome 2 et je vais m'arrêter là, voilà, parce que j'ai pas la suite. Et que ça n'amène pas vraiment. Voilà. Je vais pas me sentir mal parce que j'ai pas lu la suite, quoi. Je me sens pas désespérée au point d'aller braquer une librairie pour avoir la suite. Je l'ai cherché en e-book, j'ai pas trouvé, donc tant pis, ça me fait une saga abandonnée ou terminée, comme vous voulez, mais pour moi, j'arrête là. Donc voilà. Le dernier que j'ai lu de la. Bitolite, et il me restait donc un tome que j'ai laissé sur ma table de chevet. J'avais un autre tome de la saga Les Ombres de la Nuit, donc je pense que je le lirai quand même prochainement. Je l'insérerai quand même peut-être à ma palle pour cet été, je sais pas. Et il me restait aussi Fièvre Rouge. Et celui-ci aussi me fait terriblement peur. Je pense que ça va être du style à où je vais y rester bloquée dedans pendant un petit moment. Je sais pas pourquoi je pars avec un a priori avec Michaela Lane. Je sais pas. Le premier, j'avais eu du mal. Et donc pour moi, le 2, ça va être sûrement pareil. Même si, voilà, il y en a plein qui sont à fond dans cette série. Où j'ai du mal à comprendre le pourquoi. Mais il me fait très très peur, donc je sais pas si je le sortirai ou bien. Bon. Donc voilà, c'est un gros fail pour ce challenge. Et sachant que j'ai eu des périodes où j'étais pas très 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 bien aussi pendant ce mois de juin, donc ça fait que, bah forcément, quand tu fais beaucoup de siestes, c'était le souci aussi, c'est que dès que je commençais à lire, je partais. Donc... c'était pas forcément évident. J'ai essayé de vlogger un petit peu. Je sais pas si vous aurez eu les vlogs avant. J'ai essayé de vlogger sur une semaine. Mais j'ai commencé à faire le montage hier. Comment vous dire que juste pour une journée, je suis déjà plus de 30 minutes. Donc c'est un peu compliqué. Je pense que je vais vous faire des vlogs, vlog une journée. Et j'ai essayé de vous les passer comme ça en bonus sur la semaine. Parce que sinon on n'en finira plus. Mais il va falloir que j'arrive à vous faire ce montage là et à vous les mettre, parce que de toute manière les journées vont se ressembler, hein. C'est journée à la maison, je m'occupe du petit le matin, je le mets à la sieste, je vis un petit peu pendant qu'il fait dodo, sauf que la plupart du temps, bah, je fais la sieste aussi. Voilà, donc un peu de lecture, un peu de montage, un peu de DP, un peu, enfin voilà. Là vous voyez, il est à la sieste, je suis en train de finir ma troisième vidéo productive aujourd'hui. Je me suis dit, non, tu vas pas te poser dans le lit parce que c'est mort, tu vas dormir.
Donc voilà. Et vu que j'ai fait la sieste hier après-midi, j'ai relativement bien dormi cette nuit, on va dire relativement. Donc ça va. Donc voilà pour ce challenge. Bitolite. Donc je sais pas si je le referai l'année prochaine. Je sais pas. Après, est-ce que je pouvais mettre que 4 livres? Je suis pas sûre. C'était 2, 6, 9, 12, non? Je sais plus. Il faudrait que j'arrive à faire un entre deux. Ah, il y a encore le chat de la voisine qui miaule dans le couloir. Pff, je m'énerve ce chat. Enfin bon, bref. Donc je verrai bien si je le refais l'année prochaine. Mais voilà. Sachant que j'ai dû inclure aussi ma lecture du mois dans le challenge, parce que bah voilà, quand vous avez plusieurs challenges en même temps, bah donc j'ai réussi à lire combien de livres en tout? 4, 5, 6, peut-être 6 livres ce mois-ci j'ai lu. Et ça n'a pas été les 6 pitlites quoi. Je suis peut-être à 5. Parce que j'avais ma lecture du mois, donc The Kish Quotient à faire. Donc bah, je l'ai faite. Et elle est plutôt bien passée, celle-ci. Donc j'ai quand même, je pense, ce besoin d'alterner un petit peu les genres. Je pense. Donc je verrai bien si l'année prochaine je referai ou pas. Je verrai bien. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez réussi votre challenge ou pas, si vous l'aviez fait ou pas. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.